Bonjour à tous, je m'appelle Diman et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous connaissez une soupe rousse très populaire qu'elle s'appelle borscht. 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 Beaucoup de gens pensent que c'est un plat très compliqué. Mais aujourd'hui, je vous montre comment préparer borscht facilement et rapidement. De quels produits a-t-on besoin? La viande ou le poulet, les pommes de terre, la betterave, les carottes, l'oignon et le citron. C'est tout. Vous êtes prêts? C'est parti! D'abord, il faut préparer le bouillon. Mettez du poulet dans une casserole d'œufs. Ajoutez des épices. D'habitude, j'ajoute une feuille de laurier et du poivre noir. Faites le feu au maximum. L'eau devrait bouillir. Maintenant, il faut couper les légumes pour la soupe. Coupez les pommes de terre en petits cubes. Coupez l'oignon en petits cubes. Râpez les carottes. Râpez les betteraves. Un morceau de betterave, on peut ajouter au bouillon. Il lui donnera une couleur rouge. Ajoutez l'huile à la poêle. Ajoutez de l'oignon. Ajoutez des carottes râpées. Ajoutez des betteraves râpées. Bien mélanger. Il faut les frire un peu. Ajoutez un peu d'eau, environ un demi-verre. Mélangez. Ajoutez des épices. Et maintenant, il faut ajouter le jus de citron. Le jus de citron vous permet de conserver les couleurs de la soupe et aussi, il lui donne un goût et un peu aigre. Mélangez. Faites le feu au minimum. Attendez 10 minutes. Pendant que les légumes sont cuits, vous pouvez ajouter des pommes de terre au bouillon. Ça fait 10 minutes. C'est prêt. Ajoutez ce mélange au bouillon. Bien mélanger. Faites le feu au minimum. Attendez 15 minutes. La soupe devrait être rouge. Si vous faites cuire la soupe trop longtemps, elle perdra sa couleur. Voyez-vous cette belle couleur rouge? C'est dommage que vous ne pouvez pas goûter son goût. C'est merveilleux. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et vous allez essayer de préparer borscht vous-même. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. À bientôt!